Darling, you sent me. I know you sent me. Darling, you. Voilà, donc ce matin c'était vraiment très dur le réveil. C'était à 4h30 environ. Et là je viens de commencer la randonnée, il doit être 5h. Et normalement il me faudrait 3 à 4 heures pour gravir le Rock Peak. Donc pour atteindre le sommet. Voilà, là je viens de revenir au parking, j'ai dû mettre environ 2-3 heures et je voulais aussi vous montrer un truc. Donc regardez, il doit y avoir je pense une vingtaine de véhicules en tout. Et moi ce matin à 5h du matin, il n'y avait vraiment personne. Donc pour les randonnées et surtout les trucs touristiques, parce qu'ici c'est une randonnée touristique de la région, venez le matin, il y a les plus belles lumières, il n'y a personne sur la randonnée, ou bien tard le soir et dormez sur place. Aujourd'hui, la randonnée du jour, ça va être Eastmouth Peak. Donc apparemment, il y en a pour 3 à 4 heures. Et le sommet, il doit se situer juste là. Et je voulais faire cette randonnée, en fait, puisque apparemment, on a une vue sur les deux lacs. Donc là, on en a déjà un. Et apparemment, l'autre, il est de l'autre côté. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de la faire. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et ce qui est vraiment cool sur cette randonnée, contrairement à d'autres randonnées, c'est que tout le long du trek, on a une vue vraiment sur tout le lac et sur toute la chaîne de montagnes derrière moi. Donc c'est magnifique quoi, on s'ennuie jamais. Donc là je pense qu'il doit me rester environ une demi-heure, une heure de marche. Donc il y a le sommet juste là et j'ai le chemin juste ici qui longe. Ah, le faux espoir. Je pensais que c'était le premier sommet de l'arrivée, mais au final c'est le deuxième. Après je pense pas qu'il y ait une grande distance entre les deux sommets, donc... On continue. Et après 3 interminables heures de marche, me voilà enfin au sommet. Yes!
Bon bah allez, c'est parti, première journée à faire du snowboard. Donc là je vais me diriger en direction de Karljona, c'est la station de ski. Donc on peut voir que là, il y a vraiment beaucoup de neige sur les sommets. Donc je pense que ça va être nickel pour commencer, pour débuter. En plus il fait hyper beau, donc je vais vraiment en profiter. Normalement j'ai prévu d'en faire durant toute la semaine. Donc je vais voir un peu comment ça se déroule. En plus, en ce moment, la semaine dernière, c'était les vacances scolaires. Donc normalement, il devrait avoir beaucoup moins de monde. Donc c'est pour ça que je devrais prendre plus de plaisir.